Bonjour à tous, salutations, c'est Pun, je suis torse nu, c'est parce qu'il fait très très chaud et c'est la canicule. Aujourd'hui, vidéo, vous l'avez vu dans le titre, sensationnelle, exceptionnelle, voilà une vidéo avec le son Yomax, vidéo qui m'a fait très plaisir à tourner, et j'espère que dans les commentaires, vous serez là pour donner quelques retours, si vous voyez quelques petites choses à dire, si vous kiffez l'épisode, voilà, si vous avez kiffé ce duel de draft vs Yomax, c'est le match retour, entre guillemets, sur la chaîne de Yomax, donc allez-y les gars, tous les liens sont dans la description de la vidéo, et si on peut se faire un petit 1500 likes, 2000 likes pour cette vidéo-là, ce serait carré, je vous dis à tout de suite, après la pub. Les crédits sur FIFA 22 sont disponibles, alors va sur fifacoin.com et tu as 5% de réduction avec le coupon PUN, PUN, et si tu veux acheter des points FIFA avec ton forfait téléphonique, utilise le coupon PUN et tu as maintenant 6% de réduction. Et pour avoir des points FIFA beaucoup moins chers que sur la boutique eSports, alors va sur LBA, tous les liens sont en description de la vidéo. Yo les gars, c'est PUN, très heureux de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu, je ne suis pas seul, je suis avec le grand, le magnifique, le seul, l'unique, Yomax. Comment tu vas Yomax? Je te regarde, tu es juste à ma gauche. Wesh mon PUN, est-ce que ça marche comme ça? Ah, rien non, à voir. Non, c'est de l'autre côté, ouais, c'est de l'autre côté. Là, comment tu vas? Bien frérot, ça va tranquille et toi gros, ça fait longtemps. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble, qu'on n'a pas fait de projet ensemble et tout. Et je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'envoyer un petit message au Yo. Et je me suis dit pourquoi pas se faire les vidéos qu'on adore faire en été, c'est-à-dire les World Records en draft. Mais là, on rajoute un petit délire supplémentaire, c'est qu'on fait un duel tous ensemble, voilà, enfin tous les deux, tous ensemble, ouais, on est deux. Et le principe il est simple, c'est le premier en deux points, en deux manches gagnantes, voilà. S'il y a un partout, vous le comprenez donc, il y aura une troisième manche. Mais Yomax m'a dit très clairement avant la vidéo qu'il allait me fumer, donc je lui fais confiance entièrement, voilà. Je peux te demander quel est ton record actuel en draft? 193. Voilà, j'étais sûr. J'ai déjà fait 2 fois 194. T'es loin derrière, mon pote. Mais j'espère pour toi, en tout cas, que je ne fais pas la 194 pour la première fois aujourd'hui. Parce que là, ce serait vraiment con, quoi. Si quelqu'un fait une 194, c'est fin de vidéo. Hein, c'est gagné. Hein, ouais. Même si, les gars, vous savez, là, le record du monde, il est à 195. D'ailleurs, PUN, j'avais vu, tu l'avais mis dans tes vidéos au début, là. Je sais pas si c'est réel, ça. Je sais pas si c'est réel. Hein. Ah, tu penses que c'est fake? Non, je pense que c'est réel, en vrai de vrai. 195, parce que j'ai regardé, j'ai quand même, j'ai regardé la vidéo et tout. Et pour moi, ça me semblait réel. Hein, c'est pour ça que je l'ai mis. Je sais pas, mais du coup t'as mis ta grosse tête là où il y a les remplaçants et tout, du coup je voyais pas très bien c'était qui les remplaçants de sa draft. Mais mon oui, gameplay dis-moi. Gros, j'ai des packs pour tes abonnés là au début. Ah mais bien sûr, vas-y, on va mettre ton gameplay. Alors on est directement chez Yomax, alors là ça arrive, vous inquiétez pas. Le pack joueur 1, noté 85 plus, t'en as 3. Ça, ça fait, je sais pas combien de temps ils nous les ont donné. Ouais. Oh, oh. Un nominé Totti. Un nominé Totti, un Bonucci. Eh ben Juve. Ouais, Forza Juve, éclaté gros. Allez, deuxième pack, le dernier, je le garde pour ma vidéo, les gars. Aller, le duo. Oh, oh. Ah, Champions League. Walker. Ouais, oh, Walker. 91. Ah, c'était quand même pas mal. Hein. Franchement, je pense même que là, il est jouable encore. Vas-y, bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire, honneur aux invités. Donc, commence, mon frérot. J'ai envie que tu me régales. Tu m'as promis des choses. J'ai envie de voir ça sur le renté maintenant. Voilà. Les mecs, j'ai envie en de fait, voir le délire de commencer les drafts, c'est un mauvais signe. Parce qu'ensuite, du coup, il va savoir ce qu'il doit battre. Je déteste. Mais bon, les gars, on va le faire, c'est parti. Déjà, les compositions, toi, t'as une compo préférée, je suppose. Bah, moi, j'aime beaucoup le 4-4-2, 4-3-3 en vrai. 4-4-2 ? Ouais, 4-4-2, j'aime beaucoup pour les drafts, ouais. Mais c'est éclaté, les 4-4-2. Moi, j'aime bien le 4-3-3, pour dis-moi moi, c'est la meilleure. Dis-moi un petit peu les compositions, parce que je pense que je suis quelqu'un d'éclaté en draft. À chaque fois que je sors une vidéo draft, on me dit dans les commentaires que je suis bidon. Donc, j'ai peut-être besoin de conseils. Le 4-4-2, faut arrêter, frérot. Après, le 4-3-3, okay. C'est la meilleure en vrai de vrai. Et là, du coup, gros, bon, tu vois, j'ai que de la merde comme compo, on va pas se mentir. Bah là honnêtement moi si j'avais été toi je serais parti ouais, sur une compo à 5 là hein, peut-être. Je vais partir sur le 5 de demain parce qu'il y a des ailiers mais bon je suis frais. Franchement je suis dégoûté les mecs mais sait-on jamais mon capitaine. Déjà bah tu commences avec un capitaine en vrai sympa. Bah je suis un peu deg parce que ça me nique le choix de AD et généralement tu sais t'as Messi tout le temps à droite. Je sais pas si je prends pas de AD en plus sympa, t'as ça là aussi, t'en as tellement. Bah vas-y je vais prendre Beckham, j'aurai un remplaçant sur le banc j'espère les gars. Moi maintenant, avant je faisais les réservistes en premier. Maintenant je fais les titulaires direct. Comme ça sais. Mais ça tu vois c'est une technique que je me suis dit aussi. Maintenant je fais les remplaçants, puis les réservistes, puis les je fais les titulaires, puis les réservistes, puis les remplaçants. Ouais bah j'ai vu que le mec qui a fait le record il avait fait ça justement sur ta vidéo. Pareil. Ouais. Mais personnellement je fais remplaçant direct aussi maintenant, ça y est. Ok. J'ai changé. Ok bah après ça, t'as des techniques, ça fait tellement longtemps que les drafts existent. Si on peut les renouveler un peu. Tellement longtemps que j'essaye les mecs, donc on tente un petit peu toutes les stratégies. Pour le moment j'ai pas de chance hein. Bah, Manny, en soi elle est pas dégueulasse mais elle est, mais elle est dégueulasse gros. Qu'est-ce oui mais tu vas me battre, tu vas me battre, c'est ça que je me dis, moi je réfléchis comme ça aussi. Son il a une version 97 je crois en attaque. Du coup je vais prendre Mané qui a une version 96 par contre lui. Il a deux versions 96. Il a plein de Son de version. Il a la Son, TOS, la Shapeshifter, tout. Mais Mané aussi, oh un petit Corona 94 ouais.
couronne là, ça, c'est pas mal. Collectivement, ça sert à rien. Par contre, là, il me faut un mec. Oh, De Bruyne ? De Bruyne ? Oh là 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 là, ça passe pas loin le petit De Bruyne. Van Aken. Ça pue la merde. Mais il est belge. C'est pas KDB, c'est Van Aken. C'est un autre délire. C'est pas le même championnat. C'est, putain, c'est compliqué. Donc là, à gauche, il me faudrait Cancelo 95. Ouais, un petit défenseur. Bah. Mais j'ai pas de chance. C'est quoi, des gros joueurs, mais t'as pas de collectif. C'est ça, je prends les meilleures notes, les gars, parce que le record du monde, moi je suis pas là chez Pun pour faire une 190, je vous le dis. Oh. Après, t'as des bons joueurs, quoi, mais c'est dur à caler ensemble. Ah, mais là, c'est impossible, gros. Bah, en soi, Corona, tu peux le faire rentrer avec Militao. Oui, mais c'est un lion orange éclaté. Ah, le Normand. Attention. Oh là attention. Là, ça change la donne. Le DC, le troisième. Putain, une petite icône, je saurais pas été de refus. Donc là, Militao. Très très bon. J'ai pas envie de te conseiller, mais tu vois, je suis le poteau, donc je vais quand même te conseiller. Là, franchement, je te conseille, prends Mandy en vrai. Assure le collectif, quoi. Ouais, faut battre Pun à la draft, les gars. Ouais, il a pas. Ouais, parce qu'il y a quand même un concept, tu vois. C'est le duel. Et là, j'ai Arnold. Parce que Ah, lien vert quand même avec Beckham. Lien vert. Petit côté droit anglais, là. Il lui manque un petit gant orange pour avoir 10 de colle. Et le gardien, une icône. Et là, si t'as une icône, c'est pas mal, hein. Mais là, c'est la merde, là. Ouais. Non, mais là, il y a. Y'en a pas un seul qui te va. Je vais prendre Donnarumma au cas où on a marqué. Oh là là. 91 de notes, 69 de collectif. Alors, frérot, c'est une des pires drafts que j'ai fait depuis pas mal de temps. Hein. Ah, ça, mais là, je pense que t'es parti dans un concept où vraiment tu voulais faire le world record et tu t'en es battu les couilles du collectif, je pense. Là. Exactement. Et puis les choix étaient pas en ta faveur, je pense aussi. Je vais prendre Asenjo pour le collectif. Ouais, du coup, là, il va falloir que j'ai des joueurs qui me. Voilà, là, un défenseur. Non. Ouais, non, y en a pas un qui non. Là. Mais non. C'est compliqué. La tête là. De moi. En soi, ouais. Y avait pas de. Là, il faut absolument la. Ah, Bellerin. Bellerin. Bellerin, ça rentre parfaitement en vrai. Bellerin, c'est pas mal. Ah, bah, Bellerin, ça t'aide un petit peu. T'as pas mal de collectifs là, du coup, avec ton milieu de terrain et ta défense. Ah, un petit Kikon MC. Un Ronaldinho AG. On peut faire le collectif. C'est important, les gars, de finir sa draft en termes de collectif si je veux. Au moins mettre un peu de stress à Pun. Rochina, Espagne. Allez, Rochina. Tu pars sur des blazes inconnus. Oh, bah là, c'est inconnu les 5 joueurs que j'ai eu. Non, vraiment, c'est une des pires drafts que j'ai fait depuis longtemps là. Heureusement, on en fait deux, les mecs. C'est bizarre, yo, c'est bizarre. Ah, mais c'est. Hey. Attends, Kyle là, par contre, c'est très très bien. Kyle, ça met lien vert à Lukaku, Beckham et Arnold. Incroyable. Incroyable. Je sais pas si ça met lien vert à Beckham. Ça met lien vert à Beckham ? Bah non, en fait, ça met orange, t'as raison. Après Beckham, on va dire qu'il mais aura besoin. Mais c'est lourd de fou là. Ouais, bah là ça me met bien. Là ça t'a carry ta draft, hein, le cahier. Je peux faire un petit hybride. Bah là je chercherai un petit Courtois, un petit à là-bas. Et un AG quand même de. Ouais, un AG de Ligue 1. Il y a David Silva en Ligue 1, je crois. Il a lien vert avec. Ah ouais, il y a le Shapeshifters, ouais. C'est ça, avec Bellerin, ce serait parfait. Ouais. Il y en a. Ouais, ouais. Il y en a peut-être. Oh, je suis pas mal. Ouais, Dinatale, c'est Laurent. Dinatale, Serie A, héros. Lien orange avec Beckham, lien orange avec Kyle. Par contre, sans me tromper, je crois qu'il a un. Ah, je sais pas s'il a un lien avec Kyle. Mais si je prends. Il a talé. Si, c'est des zéros. Je pense, hein. Ouais, je pense. C'est des héros, héros. Moi, c'est crois, sûr. Dans ma tête, c'est... J'ai envie de le prendre, gros. Hein. Bah, franchement, prends la note, là. Bah, y'a Vride qui me fait le. Bah, allez, vas-y, je le prends. Non, arrête. Moins 9 de colle, gros. Ah, c'est et dur. Dans tous les cas, gros, t'as encore pas mal de choix, pas mal de possibilités pour avoir le collectif. Il me faudrait là, un âge italien. Oh, curé là, c'est fou. Espagnol, pour Mané. Après, en plus, il est espagnol, donc tu peux. Plus 3. Ah ouais, ça va être chaud quand même. Hein. Mais je vais peut-être finir le collectif quand même. Bon, choix là, si tu... en soit tu remets Lukaku, t'as le col. Hein. Je pense. Avec ça là ouais, 80... Non, c'est pareil qu'avec Mané. Ouais, même... pareil. Ouais, c'est pareil. On va rester comme ça pour l'instant. Vas-y. Hein. Ah, vas-y, le jeu là. Oh ah, j'ai rien dit. Ah, là, c'est vraiment les cartes qu'il faut là pour faire les World Record Tots. World Record Draft, c'est ce qu'il faut, Neymar. Surtout sur des choix éclatés comme ça. Allez. Ah, ça peut être intéressant là. C'est pas mal, hein. C'est pas mal ça. T'as le lien avec Kyle et tout. Hein. Kyle Dinatale, après, c'est de la MLS, donc ça met un peu la mort. Ouais, mais en soi, tu mets Kyle à gauche. Attends, mais tu mets si Ljungberg prends... à droite. Bro, ouais, non, si mais. Si je prends Robertson, j'ai le lien vert avec Mané.
sais quoi, je te laisse réfléchir. Je te dis rien, je te conseille pas. Si je prends Robertson, j'ai lien vert avec Mané. Mais il aura qu'un lien. Oh, ça va. Écossais en plus. Ah, vas-y, je vais prendre Ljungberg, les gars. On va tenter des trucs dans cette draft, mais je crois que ça part en coup à partir de maintenant, sachez-le. Hop, ouais, c'est parti. Fais des expériences, je veux voir ça, yo. Il me faudrait un Ronaldinho âgé. Mais il te faudrait une icône, hein, en fait. Donc, la icône, ça te carrierait de fou, là, c'est dur, là. On va prendre Cancelo. Et le dernier joueur de ma draft. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ça sent pas bon, ça. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi, yo? Là, je vais te laisser quelques secondes, voire même quelques minutes, pour te laisser organiser tout ça. Ouais, fais le tri un petit peu, voilà, et reviens-nous avec la meilleure draft que tu puisses. Vas-y. Franchement, vas-y, prends ton temps, la vérité. Bon. C'est le bordel. C'est le bordel. Ah, je suis deg, ça passe pas à 92 de notes. Ça va être une 191. Mais ouais, mais t'as un DC et un gardien aussi, ils sont à 80, bon, c'est normal. Et là, oh vas-y nique ta mère, Mitchell. c'est bon. Prends Mitchell, c'est le sang. Mais ouais bah il me donne 99 de colle, mais frère, j'avais juste besoin d'un entraîneur de première ligue, bro, juste un entraîneur de première ligue et c'était fini. Oh quel dommage, il te manque un point. 190 aïe. C'est une 190 les gars. 190 à battre. Je vais juste vérifier un truc, mais normalement c'est une 190 à battre les gars. Allez mettre bien évidemment une petite draft, petit choix, et on va voir au niveau des dispositifs. Ça met des points FIFA et t'as les compos parfaites, va te faire reculer. Et ouais, et en plus, franchement, j'ai vu toutes les compos parfaites. 4-3-2-1, je kiffe. 3-4-3, c'est sympa. 4-3-3, bah voilà. 4-2-3-1, ça c'est une compo. Je l'adore. Ça me tente aussi parce qu'il y a beaucoup de numéro 10 intéressants. Et 4-3-3 faux 9, bon, ça c'est celle qui m'intéresse le moins, je pense. Donc là, j'hésite entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3, tu vois. Moi je pense que le 4-2-3-1 c'est pour le plaisir, mais la plus rentable c'est le 4-3-3 pour faire des records. C'est vraiment. Ça, je pense que 4-2-3-1 tu peux faire des dingueries, mais 4-3-3 c'est la plus constante en termes c'est la plus efficace, ouais. En fait. Donc ouais. 4-3-3 les amis, on a de la réussite, on va l'utiliser, on va commencer avec un capitaine du nom de Clarence Seedorf. Clarence Seedorf c'est plutôt intéressant. Ok, Clarence Seedorf, on commence par ça les amis. Yo, je pense que t'es d'accord. Bah oui, t'as pas le choix, ça va en vrai. Là, ça, c'est un bon capitaine, capitaine du Milan. On part sur ça. Le buteur, les amis. Alors, on a du Talisca, du Depay, du Benteke, du Stuani, du Jésus. Alors là, je suis un peu emmerdé en soi parce que j'aurais peut-être. Il y a un point de différence, tu vois. Mais Depay, en vrai, il y a le lien vert, tu vois. Peut-être Depay, lien vert, ouais, c'est vrai. Ouais, donc moi, je pense que je pars sur Depay. En vrai, la Liga, il y a beaucoup plus de possibilités. Et je me dis, vas-y, si on peut partir sur une belle draft, déjà c'est pas mal. L'ailier droit. Ok. Le Salah qui a une meilleure version, ouais, je pense que c'est lui qu'il faut prendre. Ouais, je suis désolé, mais même s'il y a le Tots encore, c'est quand même une note incroyable, tu vois. Bah oui, t'es obligé. On le prend. Milieu de terrain, bon là il faudrait faire une petite hybride, tu vois. Il faudrait qu'on ait de l'icône, il faudrait qu'il y ait des joueurs intéressants. Une icône, le terrain central. Pour toi. Ok. Bah, t'as l'URNT pour ta. Ouais, t'aurais dû prendre le Brésilien tout à l'heure, mais tranquille. Ouais, en soi, je prends l'Urente. Hein. L'Urente pour Depay, Espagnol. Il n'y a pas trop d'Espagnols en première ligue. Hein. Ah, si, il y a Thiago. Il y a une bonne note en plus, je crois. Il y a Thiago ouais, qui est pas mal. Milieu de terrain, le deuxième, les amis. Ah, oh, bah t'as De Jong pour ton ultra link. Ouais, t'as Kroos. Hein. Ouais, t'as Kroos et De Jong surtout aussi pour ton ultra link, hein, vraiment. Ouais, c'est vrai que Pays-Bas, pardon. Pays-Bas, Depay. Putain, c'est vrai que c'est lourd. Pays-Bas, oh, Barça. Ça veut dire que c'est ultra link. Hein, c'est des liens forts sa mère. C'est ça. Donc là, il nous faudra un petit milieu de terrain de première ligue. Et là, déjà, franchement, on est sur une très belle draft. Après, je sais pas si on part sur un world record. Bon, là, c'est bah, t'es bien gros avec Perponce. Bah, si, Perponce, première ligue. Espagnol en plus. Bah ouais. Au moins, t'as fait du quoi là. Hop. Bah, pour l'instant, on part sur ça. Ouais, là, ça sert à rien que je passe ça. Okay. Je devrais inverser De Jong et Llorente. Regarde, ça fait. Ah ouais, ça fait moins du collectif. Ok. Ça sert à rien pour l'instant. Voilà. Et j'aurais dû prendre, tu vois, là peut-être j'aurais dû prendre le milieu de terrain, l'anglais pour ça. Après, ça change pas grand chose hein, vu sa note. Évidemment, ça finira en réserve. Vas-y, prochain joueur, les gars. Va-t-on avoir un joueur intéressant? Il y a que de la merde. Alors, Ogbonna, on part sur qui? Encapier, Aspi. Peut-être Aspi pour l'Espagne. Franchement, moi j'aime bien. Puis Aspi, ancien Marseillais, vas-y, on part sur ça. Ouais. Aspilicueta. Après, c'est vrai, en soi, il a pas d'autres versions de folle, je crois. Je l'ai pas t'as pas de chance sur TDC là. Ça commence à devenir éclaté là. Konaté, Andersen. Voilà, je vais prendre. Je sais qui tu cherches en DD. Il faut Valverde en DD. Ouais, très grosse note. Et puis Real Madrid et tout.
Donc il y a moyen de le caler quoi. Là, en fait, faut que je réfléchisse par rapport à mes latéraux aussi, tu vois. Parce que j'ai un. Bah là, j'ai si tu tombes sur Arnold, t'es les, bien. Les en vrai. Ouais, je prends Konaté. Je prends Konaté. Oh, t'as pas trop le choix, je pense, là, en vrai. T'es obligé de prendre Konaté. Hein. Putain, c'est dommage parce que là, la draft elle partait bien, mais là, c'est dur. Hein. Là, c'est compliqué. Là, franchement, les cartes sont remises sur table. C'est vrai que c'est allez, pas la folie. Gauche. Ouais, là, ça. Oh, par contre, là, c'est pas mal. Cancelo. Ah, je suis obligé de le prendre. Là, ah oui, désolé, tu vas pas prendre Pedraza. Ouais, d'accord. On part sur ça. On part direct sur Cancelo. Et à droite. Allez, une petite icône là, bien, ça me fait bien, plaisir. Ça va être bien. Voilà. Voilà, faut le demander. Ouais. Ah, faut le demander, Carlos Alberto. Déjà, t'auras moins de soucis que moi collectivement, je pense. Bah là, c'est vrai que le Seedorf et le Alberto. Ah, là, déjà, là, juste avec un gardien de PL, je crois que t'es presque Colmax, hein, vraiment. Ben on va bien voir ça dans tous les cas. Oh, allez, une petite icône. S'il te plaît, mon frérot. Incroyable ouais, incroyable en soi, alors j'ai pas de colle, mais je le prends. Obligé. Les autres ils passent pas, je crois. Il y en a pas un qui passe dans tous les cas. Bah ouais, pas de dans tous les cas, Donnarumma t'es content. En plus, t'as Marquinhos, c'est lien vers Carlos Alberto. Donc lien vers Donnarumma. Franchement, il y a tellement de possibilités là, même si t'as Ruben Dias, Marquinhos. Non, c'est ouais. Fou. Ouais, c'est fou. C'est franchement, il y a un délire. Vas-y, tu sais quoi, je vais faire le gardien remplaçant direct. S'il te plaît. Un gardien de PL, du coup, ça t'arrange et tu l'as. Ouais, bah on a Pickford, donc c'est carré. Donc au cas où, dans tous les cas. Ouais, plus 9 de colle, 97 de colle déjà. Ouais. T'as exactement pareil que moi déjà. On est ouais sur une belle draft. On est sur une belle draft en tout cas. On peut peut-être. Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Hein. Il y a moyen de faire un truc. Pereira. On prend la note. Hein. Je suis désolé, mais. Ouais, je pense que là. Robertson, ils mettent pas en soi. Après, peut-être, ouais, il m'aurait donné non, quelques points. Non, pour un lien vert, mais on s'en bat les couilles. Regarde. Avec Konaté alors que t'as Cancelo. Non, on s'en fout. Prochain joueur. Marquis. Oh, Hakimi. Oh, Ruben Dias. Incroyable. Ah, la question se pose pas là, frérot. On y a vert là, il te met. Ah, après, ouais, il t'enlève le col là. Bah, non, il enlève même pas le col, je pense, à Llorente. Parce que Llorente, il a un lien vert. Je pense que ça peut passer. De toute façon, gros, arrête. Fun, tu prends Ruben Dias, c'est bête. Bah, oui. Y'a pas à réfléchir. Y'a pas à réfléchir, tu vois. Y'a pas le choix. Plus 3 de col en plus, let's go. Là, je fais ça. On a gagné un point en col. Si tu remets Aspi DC à la place de Konaté, peut-être que tu gagnes pas mal de col, je sais pas. Plus 3, ouais, plus 94. 3. Ok. Bon. 192 déjà. 192. Bon, yo, déjà, t'as deux points très de plus bien que, moi, que mais... là, il y a de fortes chances que je gagne cette manche. Oui, mais tout peut changer. Voilà, tout peut changer. Il et reste et encore deuxième un manche. Mais là, et l'objectif, attends, l'objectif, c'est de faire la 194. Exactement. Si moi, on peut y arriver. Donc là, tu peux m'aider, frérot. je t'aide, mais ça va être chaud parce que. Vas-y, faut voir la suite, t'as vu. Faut enchaîner ça, les bons choix, ça. Là. C'est ça. Allez, on enchaîne du coup avec le remplaçant. Là, c'est mauvais, malheureusement. C'est compliqué, donc là, en soi... allez, je vais prendre Bodigé, tu sais quoi. Non, c'est là, rien. Allez, on part sur ça. Je sais pas s'il est peut-être là. Ah, la merde, ouais. Kluivert, Jack, Danjuma. Là, ça m'aide pas. Allez, on va prendre Jack. Jaco. Là, je commence à baisser au niveau de la note, hein. Attention, hein. Attention. Ouais. C'est de la merde, là, c'est chaud. Ah ouais, non, mais d'un coup là ils m'ont calmé de suite, je crois. J'ai fait un discours de fou de baiser et là de suite ils m'ont descendu. Là je suis un petit peu emmerdé. Je vais prendre Sarabia. Je vais prendre Sarabia. Prochain joueur les amis, allez, si on peut monter là s'il vous plaît, un peu de notes là, bordel. Ah, il te donne pas. On dit Maria. Là, franchement, là je te le dis, oublie ton 194. Là je serais en live, attends, frérot, j'aurais fait triangle. Ouais. J'aurais complété la draft, c'était terminé. Je te le dis. Attends. Oh. OK. Messi, Pépé. Bon, on prend Léo, hein. Bah Messi, attends, je pense. Ouais, tu peux prendre la meilleure note, Pépé, là, je pense. Hein. Je sais pas. Mais... T'as rien. Là, je pense. Il y a rien qui te sert. Là, juste parce qu'il faut se dire, là, je suis à 190. Ah là, mais t'attends. Hein. À 190. On est égalité. Ok, ça peut on passer égalité, pour moi. Donc là, la tête de moi, ça passe. Vraiment que j'ai des notes. Faut vraiment que j'ai des grosses notes. La tête de moi, ça va. Adama, peut-être, il te met bien. Il est espagnol. Ouais. Ah, c'est pour finir ton non, collectif. Mais je fais ça, quoi, je fais ça, je fais ça. 180. Ouais, non, ça va. Il a gagné, ça y est. Ça va le faire. Marc, il tombe un peu tard. Il tombe, donc à la limite je fais ça. Plus 97, tu mettras Adama, je pense AD, c'est bon. Ouais, Adama AD, c'est carré. Hein. Ok. Là, on a déjà battu. Putain, le dommage, mec. Hein. Pas de suspense. C'est dommage, mais d'un point, d'un seul point. Franchement, je pensais vraiment ouais, pas elle que est ça pas, allait elle, aussi est pas elle est pas folle ta draft. Non. Et là, ok, 191. Ça va. Franchement, yo, ça va. Je vais quand même confirmer l'entraîneur. On va faire dans les règles de l'art. Je prends l'entraîneur, donc je vais prendre Bruno, qui est un ami de longue date, et puis on va valider tout ça.
Le résumé Ultimate Draft, vous le voyez avec nous les amis, on est sur une première manche remportée par Pun. Je me suis demandé, tu vois, pour cette deuxième manche, oui. J'ai commencé, t'as commencé en premier et c'est ce que j'allais dire, c'est donc ce que tu peux enchaîner s'il te plaît. Je pense que je vais enchaîner directement, voilà. Et pour cette deuxième manche, je vais commencer. On vous dit du coup à tout de suite les amis, on va relancer une draft. Let's go les gars, deuxième manche, ok. Deuxième manche, c'est parti, je commence, ok. On va voir si t'as de la chance encore sur tes compos, hein, parce que tout à l'heure les compos c'était bien chanceux chez toi. Ah c'était cheaté de baiser, ok. Il y a des... Ouais, c'est une de mes compos préférées parce que c'est un 4-3-3 avec un MOC gros. Indice. C'est ça. Un MOC dans la compo, t'as appelé 99 capitaine, t'es bien non? Donc je pars sur ça, je pense que tu m'en voudras pas. Je valide. Et capitaine les amis, let's go. Ok, ça commence vraiment pas très bien de fou. Là je suis un petit peu emmerdé. Alors Coman. Coman en soi il a pas eu de... Si, non, il a eu des notes plus hautes. Bah mais Cole, ouais mais ça me nique un ailier droit quoi, c'est ça le truc, ça, Gomez, ça me nique un ailier numéro 10 droit. Il a une version 94 Ligue 1 je crois Cole, en MOC. Et en plus ouais, qui est vachement intéressante en plus, hein, et qui sort souvent en draft. Mais bon après tu te dis que ça met des liens verts à tous les joueurs de première ligue, hein, Cole à droite, mais bon. Je pense que là c'est Coman ou Cole de toute façon, bon. Moi je te dis, je pars sur Cole. Ouais. Je pars sur Cole parce qu'il nous faut du Cole, les frères. Allez, buteur. On enchaîne, s'il vous plaît. Ah, un petit kiki. Oh, il y a Suarez. Suarez, frérot. Hein. Ah ouais, Mbappé, il tombe rarement. Que... Je sais pas si tu le vois souvent tomber dans les drafts. C'est très très rare. Ouais. Ouais. Même Mbappé en soi, moi je le vois très rarement. Hein. Ah ouais, Mbappé, c'est ça que je disais. Ouais, je le vois très rarement. Suarez en soi, ouais, ça me. Vas-y, donc on part sur Luis en vrai de vrai. Parce que... Suarez, il link avec personne en vrai à gauche. Un petit Vinicius là, je sais pas. Ah si, avec. Ouais, mais pas lui. Pas cette version là, y'a Za. Putain, en vrai y'a rien qui va. Moi j'aurais pris Za. Je vais prendre la. Ouais, Za, parce qu'en soi Neymar il peut avoir une belle. Bon, y'a rien qui va, mais en soi c'est pas grave, c'est pas. Oh. C'est pas le plus important au début. Oh, Abedi Pelé. Ouh ah, oh, ça me plaît ça. T'aurais dû prendre Pelé. Mbappé, ouais. Ouais, mais ça me plaît quand même, ça me plaît quand même. Y'a des trucs à faire. Y'a des notes. Mais frérot, il est où le collectif là? Ça fait 4 joueurs que tu prends, 4 joueurs pas le même championnat. T'inquiète, gros, ça arrive, Pedri. Ça commence à se créer, là, regarde, hop, là, je fais ça déjà, hop, tu vois. Voilà, 7 et 6. Là, ça commence, ouais, ok, bon, c'est pas fou. Modric. Allez, ah, non, ça, je pense que ça va Modric, être, ouais, cacré. Les amis, là, c'est compliqué, donc là, on va regarder s'il n'y en a pas un au cas où qui me donne du call, mais je pense que... Et les gars, c'est parti pour un cinquième championnat dans sa draft. Ouais, on est parti, ah non, là, c'est un défi, c'est un challenge. Alors Militao, les Alaba. Ah là. Merci, yo. Voilà, je les ai appelés, gros. Tu le savais déjà en fait, c'est ça? Je les ai appelés. Bah là Militao en à gauche c'est qui? C'est Marcelo la meilleure note de Liga. Je pense qu'il y a Marcelo. Ouais. Il y a aussi Bellerin aussi, je pense qu'il y a des. Bellerin 93, ouais. Donc il y en a quelques-uns. Ah, il faudrait Valverde et Dédé en fait. Bon là je suis emmerdé. Ouais, là Christensen, Ruben Dias, il y en a pas un qui me va, je prends la note, hein. À moins que je réfléchisse, mais. Moi je prends la note. Ouais, et là, prix pour un Valverde DD après, hein, je te jure. Mm. Bah, là, ah, c'est... bah ça va pas être Valverde, gros. Et Mbappé. Et t'as pris Mbappé, Chan les amis. Ouais. Là, la draft elle ressemble un peu à rien, frérot, mais t'inquiète, ça va ressembler à un truc. On va essayer de faire un truc sympa. Non, mais tant mieux pour moi. De fou. Mbappé, bah je vais prendre Mbappé, hein. Ça me fait plaisir de voir cette draft si peu collective. Non, on va prendre Bellerin. Ça n'a pas de sens, mais j'ai envie de faire en fait une défense de Liga parce qu'il y a Militao et à gauche. Putain, je suis emmerdé là. Bah, franchement, tu m'as avec Chan. Ouais, mais non, mais gros, tu veux vraiment me foutre dans la merde toi. Mais c'est non, ça, après, des fois, t'auras Kimmich à MDC, frère, on sait jamais. Ouais. T'as Kimmich MDC sur le banc, frère, t'es bien. T'as un triangle. Non, mais c'est. Ouais. Hop, après, voilà, c'est hypothétique quoi. Mais en tout cas, lourd le collectif, gros. Ouais, bon, on essaie de faire ce qu'on peut. Hein. Oh, même le gardien ethnique, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, Victor, les gars. Silson. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ok, bon, on est à 92 de notes, mais on est à 62 de collectif. Voilà, ça, c'est le 92 mal envers. C'est pas le bon délire. Bon, allez, on va commencer. On va enchaîner, pardon, par les remplaçants. Et je pense vraiment qu'il y a un truc à faire. Moi, j'y croirai jusqu'au bout. Alors, là, est-ce c'est que les Blasians. On va réfléchir. Je vous ai dit, c'est trop dur de faire les drafts en premier, les gars. Non, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Mais il n'y a pas de réflexion à avoir. Non, mais je me dis qu'il y a quand même un truc à faire, il y a un truc à faire. Bah peut-être,
peut-être prendre celui de Bundes au cas où. C'est la Bundes, Pavlenka, non? Ouais, vers Dorban, je crois. Klaus. Super. T'es vraiment pas chanceux. François Klaus, hein. Klaus avec Abedi Pelé, c'est un lien vert, ouais. Alors Zuma, peut-être. Non. Ouais, vas-y, hein, Klaus. Ah oh, ouais. T'as un moyen de collectif avec un lien vert. Ah, c'est grave. Ah frérot, t'as pas de chance, hein. On va pas se mentir. Ouais, non, pour l'instant, c'est pas foufou. Pour l'instant, c'est pas foufou. Après. Faut gratter des points. Mais imagine, j'ai 2-3 icônes, c'est bon, hein. Mais gros, t'as pas de chance du tout, vraiment. Va te mentir. Ouais. Là, j'ai Wendel en vrai pour. C'est dur là, mais je vais essayer de privilégier le collectif. Enfin, le collectif. Hein. Oh là là, il est fou. Oh là là, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. T'avais dit Van quoi de Boom, man. Non, mais non. Ligue 2. Mais non, Müller, gros. Müller, ouais, c'est le triangle des Bermudes. Lien vert avec Emre Can. Lien vert avec Davis. C'est bien, non? On va regarder ça de suite. Ah, je pense que c'est pas mal. Plus bah 6, ouais, gros, okay. c'est pas si mal, non? J'étais à combien? T'étais à moins, mais par contre, faudrait que tu mettes Militao quand même, tu vas perdre. Ouais. Ouais. Je dis, là, il te faut une icône dans l'équipe, genre. Ouais, une icône. Ah, mais c'est pas ça qui va m'aider, quoi. Ah, après, là, je vais quand même prendre en compte le. Bah là, au pire, tu prends Galeno pour ton collectif, hein, vu que t'as Wendel. C'est ça. Mais bon, on va pas virer ça, quoi. Bon, c'est complètement con de faire ça, quoi. La draft n'a aucun sens. Ansu Fati, Ruben, Visca, Pedro. Tu sais, j'ai vraiment envie de la rage kit, mais je me dis, il y a quand même un challenge, donc je vais pas le faire. Triangle. Allez, on prend la note, c'est bon. Allez, Nicole, là, un truc pour me réveiller, gros. Ils me mettent que des joueurs à 86, elle, merde. Elle pue la merde, ta draft. Je regrette de te lancer. Oh. Après, on me dit, ouais, tu sais pas faire les drafts et tout. Watkins, lien vert en BU. Mais bon, lien vert après, c'est tout. Lien vert et puis lien. Ah, lien orange aussi, avec Zaha, donc il aura 10 de colle. Et attends, MOC. Non. Ali, pour le moment, MOC, c'est un peu inutile. Plus 6. Et okay. Par contre, on Pedri, le pauvre. Et là, ouais, Pedri, il est tout seul. Pedri, là, il est. Là. Oh, ah, allez, tu vas peut-être changer Pedri. Un Zizou. Brésilien, Alisson. Pourquoi pas. Pour Militao, oui, ouais. Ouais, c'est pas. Gnabry à droite, mette pas. Mahrez à droite, mette pas. Là, t'es au. Ouais, bah je prends Alisson, hein. T'es obligé, hein. Note, ouais, t'es hein. Obligé. Là, tu remets Militao DC, hein. Ouais, on va le remettre. Voyons voir qui on a. Ah. Oh. Ah, Dempsey quand même. Dempsey, il peut m'aider. Mais, hein. Putain, c'est dommage parce qu'il donne un lien de vert avec ton Watkins, ouais, mais qui a déjà le col. Et t'as pas de milieu en fait de PL. En fait, Ferran Torres, ce qui est bien, c'est qu'il a le lien avec Pedri, mais après, il nique tout, quoi. Tu vois. Putain, ouais. Là, il a l'hyperlink avec Pedri. Là, j'hésite. Là, vraiment, j'hésite entre Dempsey et Ferran Torres. Mais en soi, j'hésite pas trop parce que Dempsey, il a le lien vert, tu vois. Dempsey a le lien vert. Ouais, je pense qu'il faut partir sur Dempsey. En plus, il a 94. Ouais. Puis non, c'est une meilleure note. Et puis même l'arrière, je fais, ça fait plus 3. Hein. Là, en soi, je trouve un. En fait, un MC genre de première ligue. Et c'est bon, hein. Ouais. Ou alors c'est bon. Un Allemand. Pas tout à fait. Un peu sûr. Havertz, genre si j'ai Havertz, tu vois. Il faudrait un DD aussi de PL. Franchement, je pense que là, à moins qu'il me donne un truc là qui me. Ah, lui quand même, c'est pas mal, Colère. Ah, Colère, ça va me. Ouais. Colère, tu peux le mettre à la place de Müller, je crois. Ouais, tu peux le mettre. Ah, même plus 4 ici, ouais. Et peut-être, tu devrais inverser Müller et lui. Voilà, parfait. La remontada. Attention, yo. Hein, quand même, hein. Ouais, attends, regarde, tu peux quoi. En vrai, il te faut un DDPL. Attends, non, pas forcément. Un DD de première ligue, tu penses? Il te faut un DD. Bah non, parce qu'en soi, il a le col là. Et quoi que. Non, mais regarde, on va faire ça. Ah et... non. Ouais, non, ça m'aide pas. Et là, en fait, il me faut un DC de première ligue. Là. Ah non, de Ligue 1. Vas-y, attends. Dernier choix. Ça va être un bête de choix, les gars, je le sens. Et si tu tenterais pas la défense. Non, laisse oublier. Robertson à la place de Militao. Ouais, ça fait un lien vert, mais c'est tout gros. Tu ça fait, ça fait 10 pour Alisson, donc ça fait plus 3. Et ça fait 6 pour Robertson, non? Et ça fait 6 pour Robertson, donc ça fait plus 2. Ouais. 96 de quoi. Attendez, les amis, ce qu'on va faire, on va essayer de régler un peu tout ça. Bon, les amis, du coup, on a.
on a remué l'équipe dans tous les sens, hein. Je pense que je peux pas mieux faire. On est sur un 91 de notes et un 96 de colle maintenant, bah c'est l'entraîneur. Hein. Là, je vois pas l'entraîneur qui pourrait m'aider. Un entraîneur de Ligue 1, c'est 98 de colle. Mais c'est tout, frère, c'est tout ce que tu peux jouer là en fait. Ils ont tous 10 les autres, si tu rates bien. Ouais, j'ai l'impression. Par Robertson que... aussi. Et t'as même pas l'entraîneur de Ligue 1, gros. Il va même pas avoir 97 de colle, miskin. Oh là là. Oh là là. Je peux faire la pire bon, ben là, la ever, les mecs, je le bats. Oh là là. Là, la deuxième manche, là, ça va être compliqué, yo. Hein. Ça va être dit, commencer en premier, c'est dur. Des risques, hein. 187. Bon, c'est le score à battre. C'est le score à battre, yo. C'est à ton tour maintenant. À allez, toi de jouer. Moi, c'est parti pour la 194, les gars. C'est parti, les mecs. Composition de ma draft. Oh. Alors, j'adore. Bien. J'adore mes compos, frérot. 4-3-3 offensif, c'est ce que tu viens de faire. 4-3-3, la plus facile. 4-5 offensif, elle est vraiment pas mal aussi parce que t'as les ailiers et 2 MOC. Et 4-2-3-1 parce que c'est le plaisir, c'est le bonheur. Et d'ailleurs, le plaisir et le bonheur, je vais le prendre, frérot, je suis obligé. Ah, ça fait plaisir. Oh, le beau jeu. Ouais, un joueur que j'avais dans ma draft aussi, Abedi Pelé. Et ça met bien en MOC là. C'est un super là, jeu. Là, Mbappé, on dit qu'il tombe jamais. Allez, je vais me faire le plaisir de tomber dans cette draft, frère. Je suis pas sûr que là, ce sera Mbappé. Là, c'était pas la couleur du Mbappé qui. Y'a pas un joueur de Ligue 1 quand même pour faire le call? Bah, en vrai, Boken, hein. Ah ouais, c'est de la Ligue 1. Angers. J'avais pas vu. Bah ouais, Angers. Putain. Là, c'est. Non, oh, c'est... me chie dessus, gros. Pourquoi j'ai pris cette compo? Attention, yo, parce que là, tu parlais beaucoup trop vite. Après, y'a que 3 choix, mais on sait jamais. Pourquoi j'ai pris cette compo, sérieusement? Ah, Inger, peut-être. Pelé. Ah. Oh. Oh. Lien vert, let's go. Hyperlink. Ok. C'est là que ça se joue, les MDC, les gars. Très important, là, les MDC. Je trouve les liens sont intéressants, c'est très symétrique, j'aime beaucoup. C'est symétrique, t'as vu? On va essayer de continuer la symétrie. Vas-y. Là, il me faut un anglais de PL. Mais c'est trop gros. Pourquoi j'ai que de la merde comme ça? T'as même pas le genre de lien, tu peux pas te... Je vais prendre Ilara Mendy, tiens. Okay. Changer. Oh, mais regarde, c'est la même chose de l'autre côté, gros. C'est pas foufou, hein. Mais je pense que là, tu vas avoir après une sélection de choix, genre incroyable, je pense. Bah, j'espère. Ça présage que du bon, t'inquiète, yo. Fais-moi confiance. J'espère que je vais avoir une bonne défense. Donc là, à commencer par Cancelo. 95, voilà. S'il vous plaît. Voilà. Parfait. Cancelo, là, 95, il est tombé. Je veux Ruben Dias, 97. Je précise, 97. Je crois que je vais prendre Mings, hein, c'est lui à vert. Hein. Ouais. Déjà, collectivement, on va être mieux que toi, je pense. Deuxième décès. Ah, là, on est sur du... Je vais tenter Arnautovic. Sur de la grosse pote, hein. Pourquoi je vais tenter Arnautovic? Parce qu'il y a souvent Cordoba ici. Regarde bien. Cordoba 97. Cordoba, là, qui va tomber. Allez, bâtard. Petit outil sympa, mais... Je suis à la fois content et déçu. Elle veut le prendre. Quand même, les gars, faut que je mette un peu de suspense dans cette draft. Ouais. Pour l'instant, tu fais très bien le taf. J'ai rien à dire. J'ai pas envie de le prendre de rire. Franchement, faut que j'assure. La tête de moi, faut que j'assure. Non, faut que j'assure, les gars. Joue le beau jeu, yo. Joue le beau jeu. Non, y'a pas de beau jeu là, j'assure. J'assure de rire. Allez, du lourd. Let's go, baby. J'aurais pas dû prendre de rire. Alors là, peut-être pas mal ça. Spinazzola. Ah non, y'a Hakimi, putain. Il me faut Marquinhos, hein. Oh, la tête de ma mère, il est tombé. Il est tombé, ce bâtard. Il est tombé. Ah ouais, il me faut Spinazzola, là, où je sais pas, y'a qui en défense, un MDC, mais y'a du lourd, en Italie. En Serie A, t'as El Charaoui et tout, en vrai, en 10, hein. T'as des... Ouais. T'as plein de bêtes de cartes, hein. Il me faut un petit Ruben Dias, toujours, ou même Van Dijk, hein. Bah, y'a Salissu. Un peu décevant. Salissu, mais en vrai, prends la note. Bah non, Salissu, je... Merde. Il a plus de lien vert, ce bâtard. Merde, alors. Ouais, gros, mais t'écoutes pas mes conseils, gros. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre la note. Il avait raison, le pun. Après, t'as fait 187, frérot. Ah, je suis tranquille. Et gros, ouais, des fois, on peut pas non plus toujours avoir 193, gros. Eh, hey, Ligue 1. Je peux faire des mauvais choix, gros. Hop là, Ligue 1. Atal, c'est pas mal. Bon. Plus 5, mais c'est trop bien, frère. C'est trop bien. Là, ça te... Ouais, oh, non, une icône MOC, gros, Gucci. T'es pas mal. Allez. C'est fou parce que même avec un buteur danger, t'arrives à me battre, quoi. C'est vrai. Eh ben, bon. Est-ce que je prends le goût? Non. Quoique. Ah, on va prendre Mounien. Oh. Peut-être une icône. Non, pas d'icône. Un petit Arikane. Un lien vert en vrai.
Ah ouais, Eastern, 97 de call. Bah tu gagnes 15 points de note. Hein. Attends, là j'ai plus que toi déjà. Non, non, mais tu m'as battu depuis longtemps. Ça fait 5 minutes que tu m'as battu déjà. Il y a plus de suspense. La deuxième manche, elle est remportée. Là, je peux reprendre Ben Yedder, mais tranquille, on va prendre Messi. Là, fais-toi plaisir. Gros. Oh, il est tombé. Mbappé. Il est enfin tombé. Putain, il tombe rarement. Je vais pas le mettre. Il me manque quoi là pour faire le call? Ah, en vrai, si je l'ai le call avec Mings. Ouais. Vas-y, 191. On va essayer de faire une 193, baby. Oh là 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 là, Di Natale, hein. Di Natale, est-ce qu'il se tente là à la place de Attal? Oh la tête de. Oh, il se tente! Incroyable. Il passe. Attends, mais du coup, Attal, il rentre là? Et si je mets Mbappé. Tu gagnes un point de note, hein, quand même. Et il me faut un lien vert ici, je pense, ce serait cool. Pour Rashford. On va voir déjà ce que ça dit pour la suite. 3 choix encore. Oh, c'est pas mal ça. Oh là là, Thiago Mendes. Ouais, il va pas te. Il va pas m'aider, mais je vais le prendre. Ouais, mais tu le prends, gros. Tu le prends, t'es obligé de le prendre. Ah, mauvais choix normalement. Aïe aïe aïe. Alvaro. Allez, pour faire plaisir, Alvaro. Let's go. Mais attends, mais j'ai un banc de merde. Hein. Bah, le banc est pas foufou, mais je pense que si t'arranges tout ça, ça va. Et oh oh, là c'est vraiment la masterclass. Franchement, ça fait plaisir de voir ça. C'est con pour voir le call là. Est-ce qu'un entraîneur. Non, non, mais c'est fini. Bon. Alors, je vais, vas-y, Blagio, même... je te laisse arranger ta draft. Bien sûr, je vais quand même compléter. Et ouais, 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 bien évidemment, on va ranger la draft du haut. Enfin, je vais le laisser faire parce que moi je suis bidon. Et voilà, tu me mets une 193. Oh putain, je l'ai mis une 193, les gars. Oh, let's go. Il me la mise. Oh, let's go. Franchement. Oh, franchement, let's go. C'est très très beau. C'est très, sans très l'entraîneur. Beau. Et avec 3 régulars dans l'équipe. Oh, oh là là, je suis trop fort. Ouais. Choisir un entraîneur. Allez, on prend Serie A au pif. Plaisir, Pioli. Hein. Eh oui, les bravo, gars. Bravo, là, tu m'as mis un coup de Pioli. Je pense que je peux pas le. Ça, c'est, ça, c'est ton record en plus, 193. Ouais. Ça, tu viens de faire mon record là. Je pense que là, c'est le bon moment pour prendre ma revanche. Qui commence? C'est ça le truc. Si tu veux, je commence. Allez, vas-y, tu commences, yo. C'est maintenant ça se joue. Les gars, là, j'avoue, la draft que je viens de faire, 193, je l'ai fait comme ça à l'arrache. C'est tellement facile c'est de battre ça, 186. C'est ça. Là, ça, maintenant, le mec, les gars, le mec. La vraie draft commence. Vous êtes prêts? C'est on parti. Est tous prêts ici, yo. Eh ben, écoute. Il y a le 4-3-2-1 qui est pas mal. Moi, c'est 4-3-3. Moi, c'est celle que j'aurais choisi. Moi, je prends le 3-4-2-1, gros. T'es fou que des ailiers. Regarde, on commence par un ailier. Ok. Ah, merde. Hugo Sanchez. Ça va en vrai. Pas mal. D'ailleurs, j'ai une question à te poser, yo, que je me suis toujours posé. Est-ce que tu. Parce que moi, j'ai toujours cette sensation-là, tu sais, quand t'as un jeton draft dans les récompenses. Ouais. Quand tu l'utilises, j'ai l'impression que la draft, bah, elle est jamais genre incroyable, tu vois. Elle pue la merde, on est d'accord. On est d'accord. Ça, c'est vraiment un truc, je pense, c'est. Je pense que c'est validé, tu vois, et j'avais besoin de l'avis d'un expert pour avoir confirmation. En tant qu'expert draft, je te dis que dès que t'as un jeton, la draft va être nulle. Mais ça fait plaisir de pas dépenser d'argent pour la draft, quoi. C'est ça. Ça offre du contenu, on va dire. Exactement, mais bon, là pour le moment, j'ai un début de. Oh, parfait. Ce que je voulais. La merde sur les côtés. Lookman. Lookman. Pour son blaze. Pas mal. Franchement, là, la draft, elle part très très bien. Hein. Je suis plutôt confiant. La draft, c'est ça. En fait. On n'est pas cette compo. La draft, elle commence à partir de maintenant, gros. C'est parti. Voilà, mon pote. Là, t'as commencé à parler. C'est ça qu'on veut. Là, t'as commencé à parler. Abedi Pelé 98. Ouais, je sais pas quand on va avoir un MC1 qui va nous mettre bien. Une icône, bien sûr, ça nous met toujours bien. Ah, y a pas d'icône. Y a Gundogan qui est allemand. Y a un Bernardo. En tant qu'expert et puriste draft, qui a la meilleure note en meilleure carte? Entre qui et qui? Bernardo et Gundo. Oh, c'est Bernardo, c'est sûr. Bah, je prends Gundo alors. Oh. Deuxième MC. Et attends, je me suis trompé, les gars, vite, mon commentaire. Oh là là, KDB. Et bah, tu vois, t'as bien fait prendre Gundo. C'est magnifique, gros. C'est magnifique, j'adore. On va faire un 594, les gars, c'est parti. DC. Allez, mon pote. Allez, mon pote. J'aime ça, en plus, allemand. Ça passe avec Gundo, ouais. Oh! Pourquoi je t'ai dit de prendre Gundo? Nikon? Ok, Cordoba. Je vais prendre Cordoba. Bah ouais.
Serie A, puis t'as le lien vert. Là, il faudrait que Di Natale il tombe en AD. Incroyable. Petite défense Serie A. Wesh. Et la coup, chance, wesh. C'est qui le gardien le meilleur de Serie A déjà? Ah, c'est la Maignan. Mec Maignan Tot. Ou le. Ah là je crois qu'il n'y a pas bonheur là. Y'a Ter Stegen. Ter Stegen, en soi allemand. Allemand, ah oui c'est vrai. Un petit lien. Ça te donne un petit, un petit lien orange. Mais pour l'instant, la draft elle part pas dégueu, je pense, il y a vraiment un truc à faire. Mais c'est juste les côtés qu'il faut changer. Il y a les côtés qu'il faut changer. Il me faut un milieu gauche de Bundes. Ah mais quoi que même pas, j'ai un milieu de première ligue, on va voir avec ce qu'on a. Vas-y le yo. Putain. Oh là 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 là. Tiens Lulu. Je peux le mettre à la place de Cordoba à la limite. Qui a Lulu à la place de Cordoba français? Ah il me met bien. Il faudrait que Ribéry tombe en MG. Ce serait insane. Oh là là, Ribéry côté gauche, c'est fou. Oh ouais, c'est bien là. Voilà. Pour l'instant, sa draft elle part très très bien en soi. Ah, c'est pas mal là. Go 194 les mecs. Oh, j'ai que des défenseurs de Syria. Ils m'ont gâté. On va prendre Bremer quand même pour la note. Ah, non, ça va être moins bien. Allez, Younes. Allez, on part sur ça. Allez, là c'est du bon. Pourquoi pas l'icon? Aïe aïe aïe, Rashford, mais c'est incroyable! J'ai pas d'anglais dans ma draft, c'est ça qui est dommage parce que j'ai pas de lien vert, mais il a 95 en MG, gros. Il a 95 en MG. C'est rare d'avoir aussi bien. Peut-être qu'en soi, Kanté, il t'aurait aidé pour Nkunku, tu vois, avec Alulu. C'est vrai, Kanté, ah ouais, ouais, il m'aurait aidé. Mais bon, après, Nkunku. Je le virais. Rashford 95. Putain. Genre là, t'as Messi, t'as Salah. Genre Salah, là, c'est parfait en vrai. Hein. J'ai pas d'Argentin. Liverpool, Salah. Là, c'est un peu dommage quand même. Sterling. Là, c'est dommage. Je vais prendre Salah quand même, mais c'est dommage. Sur la place d'un coup, ça, moins 1 ouais. En MD plus 2. Plus 2 allez. Il faut que j'aille chercher un AD de PL en vrai. Bah si ils te remettent Sterling. City, c'est Sterling, ouais. C'est dommage qu'ils t'aient mis deux fois les mêmes. Oh Messi. Oh là 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 là, c'est pas mal ça les gars. Oh par contre je parle, mais j'ai pas de collectif hein. La draft elle est folle. Mais j'ai une draft. Regarde les notes. Putain je suis bien. Faut que Maignan il tombe. Oh Mané. Sadio Mané, ça rentre de fou en vrai pour le collectif au cas où genre. Bah, je suis obligé de toute façon. Hein. Putain, bâtard. Il a des plans A, des plans B, des plans C. Plus 3. On va le mettre là. Bon, frérot. Il faut en que j'aie Maignan. En vrai, c'est côté. C'est le gardien, c'est le gardien. En vrai, c'est le gardien. Tu perds 6, 7, 8, 9 points de collectif. Il me faut là un gardien. T'as encore le. Maignan. Yeah! Allons! Ça passe pas! Ça passe pas, gros. Y'en a pas un qui passe. Il y a la fond quand même pour un lien orange, mais bon, ouais, mais ça c'est en vrai. Le lien orange, autant qu'il y a autant prendre trappe. Hein. Oh, yo, yo. Quel dommage, gros putain! Je suis tellement déçu. La gueule. Bon, écoutez, les mecs, là je joue pour un Sterling, ce sera bien un Sterling, je pense, et un Ribéry. Allez, Mahrez. Oh, je crois que je vais le sécuriser, Mahrez. Il y a Mahrez. Mais l'icône, elle est pas mal aussi, tu vois. Écoute, frérot, moi, je suis un mec, je porte mes couilles dans la vie. Mais gros, c'est ça qu'il faut, hein. On fait le world record ou pas, gros. Bon, là, c'est un peu mort, oh, frérot, mais j'ai bien fait de porter mes balls. T'as bien fait. T'as réfléchi, 95 gros. De colle. Oh, s'il y a un Maignan, il tombe là pour me sauver. Oh là 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 là, Mkhitar, en vrai, grosse note, hein. Ziyech aussi qui est pas mal. Attends, fais voir, allemand. Mouktar. Dommage, Abedi Pelé, il est pas allemand. Allemand, je crois qu'il est. Il joue dans quelle ligue, Mouktar? Il joue en MLS. Il y a un bail ou pas à tenter comme ça? Peut-être, ouais. Non, il y a pas. Plus que deux choix, les gars. Deux choix. Oh! Qu'est-ce qu'il va. Non. Sterling, il. Bah, il t'aide. Mais Sterling, il m'aide. Il me donne le collectif, gros. Sterling me donne le collectif.
99 gros. Ah, je crois que tu pars pour 192 hein, là, hein, minimum. Hein. Non, c'est 93 mini là. Ça, non, certainement, c'est tiré à le banc. C'est du Messi, du Mukhtar, 193 minimum. Dernier choix de ma draft, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Allo, Milik, pour te faire plaisir. Merci. Héros, alors là, yo. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, je pense qu'on est tous prêts derrière notre écran là, on regarde. On regarde 193, ça va être validé, les gars. Est-ce qu'on peut faire une 194 et ainsi s'octroyer le gain de cette vidéo? Vidéo, ouais, c'est vrai que tu gagnes hein, si t'as 194. Bon, t'as de la chance, ça passe pas à 194. Ça passe pas en plus. Ça passe pas. Mais c'est une très belle draft, t'es déjà l'entraîneur aussi, hein. Faut que tu le cherches, hein, l'entraîneur. Exactement, là j'ai 99 de call, donc l'entraîneur qui me met bien, c'est entraîneur brésilien. Français. Français ou Première Ligue. Brésilien, français ou Première Ligue. Si j'ai pas ça, c'est grave. Ou allemand, non, mais ça passe, Edler, ça passe. Merci, au revoir. C'est bon, Tuchel. Thomas Tuchel qui donne le collectif. 193, voilà. Ça sera le score que je dois battre, les amis. Mais je vous avais dit quoi, les gars? Je suis le roi des drafts. On a bien fait de commencer par toi. Du coup, les amis, on va se retrouver directement sur ma draft. Ce sera la dernière draft. Voilà, pour l'instant, Yo, tu pars très très bien. Je n'abandonnerai jamais, j'irai jusqu'au bout. Et tant que je n'ai pas perdu et que je le vois pas en face, je n'y croirai pas, les amis. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve avec mon écran. Yo, vraiment, j'espère que je vais me respecter, que je vais vraiment aller genre jusqu'au bout du délire. Et j'espère que jusqu'au bout, il y aura un mini suspense, tu vois. C'est bon l'objectif chance, que je me donne. Voilà, bon chance, je me donne frérot, cet objectif. Ça va être chaud. Hein. C'est parti. Allez les gars, les 300 derniers points FIFA. On y croit. Alors déjà la composition. Ça a plusieurs intéressantes, je dirais. Il y en a 3 potentiels qui sont bien. Tu sais que la 4-5-1 offensive, elle est vraiment cool. Hein. Elle est sympa, ouais. Elle est sympa, j'aime beaucoup. Et puis même pour le collectif et tout, je trouve c'est une compo sympa. Il y a très bonne compo. Numéro 10. Ouais. Mais j'hésite entre celle-là et celle-là. Sinon, parce que après, 4-3-2-1, j'aime beaucoup aussi. Si t'es safe, c'est ouais les 4-3-3 resserrés, 4-3-2-1. Non, 4-3 resserré, j'ai pas envie. J'ai envie de prendre des risques là. Prends pas le étiré. Hein. Non, je prends le 4-5-1. Hein. Ouais, ok, moi c'est ce que j'aime. Moi j'aime le beau jeu, j'aime ça, la prise de risque. Et le capitaine, il va être le 4-5-1, bon, les gars, le capitaine, s'il vous plaît. Aïe. Toi, t'avais commencé avec un. J'avais commencé avec Abedi Pelé, je crois, 94. Pelé, hein. Ouais. Ou 80. Non, là, ouais, si je commence avec Immobilier, c'est pas foufou quoi. Morientes, Félix, jamais. Sancho, jamais. Messi, jamais. Donc, comment ça, jamais Messi? Bah, Messi, on peut l'avoir en meilleure version quoi. Bah, ouais, mais c'est bon, frère. Capitaine 93, tu veux quoi de plus? Ouais, t'as raison. Vas-y, en vrai, j'aurais pris Messi moi. J'ai la mort de le prendre, mais j'ai pas le choix. Ouais, mais j'ai le démon aussi parce que je me dis, vas-y, il y a tellement de. T'inquiète, il y a tellement d'ailiers qui sont bons que tu pourras le remplacer peut-être. Ouais. Par contre, en attaque, là, ça va être chaud, frérot. Ah ouais, non, mais je veux bien battre Yo, mais frérot, si ça commence comme ça. C'est que là, eSports, ils mettent pas du tout. Ben là, il y en a pas un seul qui met. Hein. Tu sais quoi, je vais essayer d'être intelligent, je vais prendre Rings. Hein, mais oh la vie de ma mère, incroyable, les gars, ce début de draft. Je me souviens quand même que ta draft elle commençait un peu comme ça aussi hein, au niveau des ailiers et tout. Ouais mais là franchement t'as un triple choix frérot, horrible. Ah j'ai le duo Willock Ings gros, ça va aller très loin. Ouais. Ah enfin du lourd. Là il me faut ce joueur, ok. Ah du lourd et c'est pas ouf parce que ça joue en Chine et en MLS. Ça m'aide pas quoi. Ça t'aide pas du tout gros. Brasil. Ouais, j'ai tout. Quoi que Spanish. Brasil, ouais, Spanish. Brésil je pense. Do Brasil. Au Brasil, Oscar de Brasil. Oh, mais allez, frère, s'il te plaît, m'arrêter avec ça, bordel. C'est pas... Franchement, là, j'y crois pas. Je te dis la vérité, j'ai envie de cliquer sur le bouton et de. Ouais. Triangle, frérot. Franchement, triangle, gros. Hein. Ah, Rashford 95 quand même. Ah non. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oscar, Toko Ekambi, Mounien, Cucurella. Y en a mais pas c'est un massacre, les amis. Papa, je vais pas prendre Cucurella, il est en version truc. Non, les gars, vraiment, c'est dur là. Là, c'est très très dur. Allez, on prend Toko, tu sais quoi, frérot, je m'en bats les couilles maintenant. Oh là là, que délire rouge, elle est incroyable cette draft. Elle va commencer à être bien là. Claude Maurice. Moi, je prendrais Claude. Bah, ouais. Moi, je prendrais Nuno, hein, frérot. Hein. Si t'as un Marquinhos qui tombe en DC, gros, t'es content de l'avoir, Nuno. Ouais, mais il y a Kimpembe, il est SBC, donc il peut pas. Après, il y a aussi les défenseurs français tout court hein, qui sont bien. Il y en a mais plein, bon. Genre, c'est pour ça que je me dis ça aussi. Frérot, c'est toi qui fais ta draft. Hein. Nuno Mendes, il y a Marquinhos, t'es heureux. Ah, t'aurais dû prendre okay. Le français, gros, tu joues à quoi? Chan. Commence pas, Yo, commence pas à retourner les cartes dans ton sens. Elle est trop moche, la draft. Voilà, Marquinhos, voilà. Il est là, Marquinhos. Il est là, le sang. Il est là. Le sang, enfin, vite fait, tu vois, t'as compris. Mais... Vas-y, on le met à gauche. Et à droite,
s'il vous plaît. Hakimi, les gars. Hakimi, ouais, attends. Bah oui. Hakimi, je rappelle Hakimi, ok. Okay. Ah, tu vois, t'es pas content maintenant d'avoir Nuno Mendes et Marquinhos et Donnarumma au cage? Je suis très content, je suis très content. Et Donnarumma qui va bien évidemment tomber. Bah, Gomis, je prends Gomis ou je peux prendre un des deux, vas-y. Ouais, peu importe. Hein. Pour Gomis. Peut-être néerlandais, ça aurait été mieux, gros. C'était un Van Dijk sauvage. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. C'est pas grave. J'ai pas hein, pensé à ça, gros. J'ai ça va pas changer ta draft, ça va pas changer. Ça a pas changé le deal de la vidéo, je pense malheureusement que là, je suis battu et là je vais quand même faire les petits choix, tu vois, comme ça en dernier. Regardez quand il va vite. Recours. En dernier recours, voilà, mais je pense qu'on est dans une impasse. Kanté. N'Golo Kanté là qui m'aura pas trop servi. Allez, on prend Kayle, c'est quoi? Hop, petit Kayle, on met là, réserviste le dernier les gars, Mukhtar. La 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 Franchement, là, des icônes. Hein. Un numéro 10 à la place de, d'Oscar. Ouais, un numéro 10 déjà serait cool par contre. Hein. C'est parce que là, ça, c'est dur. Hein. Genre un 10 de première ligue et c'est bon quoi. Je n'ai jamais voulu tendre à ce titre qui est de meilleur drafteur de France, mais là, yo, je suis obligé de le dire. Tu m'as battu pour cette vidéo là. 2-1. Voilà, c'est le score. C'est le score final. Bien joué à toi, le sang. Yo, je vais du coup te donner ce magnifique trophée. C'est un trophée et tout, pète sa mère. Je te le donne, c'est le trophée. Oh, trophée de la tête de moi. Un très beau trophée, je te le donne. Il va être envoyé, bien évidemment. C'est merci, fou, je viens de le recevoir, gros. Toi aussi, tu l'as reçu? Mais non. L'originalité des youtubeurs FIFA, regardez. Elle est là. Elle est là. Voilà, les frères. Plein de bisous. Merci à toi, Yo, bien évidemment, d'avoir été présent pour la vidéo. Allez sur la chaîne de Yo, vous le connaissez déjà. Mais c'est le sein. Rendez-vous sur ma chaîne, parce que Punch, je te défie hein, également. En gros, on va voir c'est qui le meilleur. Moi, par contre, il n'y a pas de 2-1. C'est un match. But en or directement. Et moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher le petit like. À lâcher le petit like, pardon. Ciao les gars. Lâcher le petit like, bizarre toi. Ciao l'équipe.